Ce découpage pour YouTube est vraiment dégueulasse, je sais, mais vous vous plaindrez au jeu, hein. Par contre, j'ai vu un truc là-haut. Ok, bon. Par contre, c'est des sadiques hein, de mettre des vases qu'on ne peut casser qu'en chargeant. C'est des sadiques de les mettre juste à côté d'un truc qui peut te tuer. Hein. Ok. Le bruitage de cassage de vase qui arrive après. Ça aussi, ça, c'est normal, tout va bien. Oula. Nope. Pas grave. Oh non, on est plus à ça près. C'est rien, ça, c'est un détail. Pardon, mauvais souffle. Vous avez attrapé Gori. Gori. Yeu. Non, pas Gori, Yeu. Gori. Ah, me suis gouré. Je voulais faire les flammes et j'ai chargé. C'est pas grave. Je suis pas tombé, c'est principal. Enfin, si, je suis tombé, mais pas dans le miel. Oh purée. Ah bah attendez, parce qu'en fait la fin du niveau est là-bas. Ta gueule, c'est magique. Tu nous as évité pas mal d'ennuis en nous débarrassant de ces saletés. Tu te prends pour le parrain? Pourquoi as-tu besoin de parler aussi lentement? Pardon. Tant d'avoir fait utile. Voilà une libellule pour toi, petit gars. Ne dépense pas tes infos. Sors de ma tête, Nezouk. Sortez tous de ma tête. Taka! Chi? Pardon. Vous allez en faire une libellule de compagnie. Mais ces insectes, ils rapportent. Bon, excusez-moi parce que le problème c'est que le bruit en arrière-faux est insupportable. Ok, putain. Je l'ai vraiment vu du coin de l'œil, mais je l'avais pas vu en fait. D'accord, il y a encore une partie par là. Ok, attendez. Bon, alors pour le coup, on va retourner en arrière. Déjà pour ça. Mais sérieusement, quoi ? T'es pas mouru, Q. T'es pas mouru. Oh, par contre, ça j'aime bien. Ils ont quand même modifié le design des coffres fermés selon le monde où on est, quoi.
On n'a plus des coffres en métal, on a... Voilà, on a un coffre en bois en tout cas. Firetail ! Elle a la queue en feu ! Pardon. Bah après tout c'est son nom, merde, à quoi Oh ! Zut hein ! Mais la blague est valide tant qu'on parle de la bonne queue. Bah vu que c'est des bébés libellules, elles doivent pas avoir une queue très proéminente. Encore une fois, vous prenez celle que vous voulez. Selon votre degré de perversité, on va dire ça comme ça. Où qu'on est... Oh ! Avec tes mots, le croc. J'ai pas osé le dire. Attends. Cette saleté d'abeille à l'une des libellules. Peux-tu la poursuivre sur la descente afin que nous récupérions la libellule? Mais attention, elle a un dard qui remettrait en place mon dos tout tordu. J'espère qu'elle vise bien, mais bon... Ah. Wouhou ! Taïo ! Donc, je dois faire quoi ? Je dois l'attraper ou la dépasser ? Parce que la dépasser, c'est pas compliqué, mais... Parce que je peux pas cracher de flamme, hein, donc on va partir du principe que je dois la dépasser, mais non, attendez. Il a dit, oui, le miel fait pas de dégâts là, cherche pas. C'est du miel gélifié, c'est pour ça. Dommage, Spyro. Alors attendez. Donc je dois attraper l'abeille, on est bien d'accord. Mais attendez. Je dois la percuter ou... Bon écoutez. Attendez, vous savez quoi, on va faire ça. Hop. Hop. Je voudrais voir si je dois la toucher. Merde. Bon bah ça c'est fait. Je sais pas, c'est pas très explicite là pour le coup, et c'est pas intuitif non plus. Hein. Moi il m'a dit il faut la rattraper, ok. Il a pas dit qu'il faut la dépasser. Bon ok. En tout cas là je suis passé au travers, donc je pense que ça confirme qu'il faut gagner la course. Parce que là je suis clairement passé au travers. C'est la fatigue. Je vais vite.
Bon, en tout cas, ça me change des courses en skateboard contre les Yetis, hein. La fatigue, la maladie, les deux, oui. Ou l'état naturel, les trois, oui, ça marche aussi. Oui, je l'entends, elle doit pas être loin derrière moi, hein. Looping! Ah oui, mais ça c'est sûr, hein. Tayo, je suis là! Mais j'ai rien fait! J'ai juste glissé sur le miel! What? Vous avez attrapé Clubtail! Clubtail! Ah! Ok, j'ai déjà les 10 libellules! Bon. Non! Je veux pas le refaire! Non! Non! Je veux pas! Non! Je ne veux pas, j'ai dit! En fait, la musique va tellement fort que j'entends pas les dialogues des personnages, en fait. Donc, je vais baisser le volume de la musique. Parce que... Ah ouais, mauvais calibrage sonore, il est mauvais, ça c'est sûr. Hein. Il est très mauvais. Hein. Dommage, Spyro. Ah bah voilà. Là, au moins, je t'entends, mec. Parce que la musique va tellement fort que les personnages, tu les entends pas parler, en fait. Heureusement qu'il y a les sous-titres quelquefois, parce que... Oui, ça aussi, j'avoue que une fois que tu les entends une fois ou deux, t'entends plus que ça, quoi. Bon, donc il me reste plus qu'à trouver les derniers joyaux. Je sais pas combien il m'en reste, puisque les libellules, on les a toutes. Pour une fois que j'ai pas à chercher une libellule, on a réussi à avoir les 10 du premier coup. Donc, combien est-ce qu'il me manque de joyaux pour le coup ? Il m'en manque 41. 31. Non, 40. Ouh, c'est un sup! Pourquoi est-ce que j'ai absolument envie de fermer le carnet en appuyant sur rond? Casse-couille! Tout va bien. Tout va bien. En plus, ce soir, on regardait Sentai ce soir. Donc, tout va bien. On pourra encore déconner. Coucou le Saint-Tardigrade. T'arrives sur quoi, là? Bah, t'arrives sur Q qui fait des fails sur Spyro. Alors l'avantage, c'est que comme j'ai fini le niveau, j'ai accès au raccourci. Si, on doit regarder le deuxième film ce soir. Oui. Bon, comme je dis, au moins l'avantage, c'est que j'ai débloqué le raccourci, donc on peut aller à la fin du jeu. Sûrement, mais bon, maintenant que je commence à prendre l'habitude des boutons.
Ça va être chiant de rechanger après. Eh bah on se tire. Eh bah on se tire. Voilà. Je n'aurai plus à y revenir. Adieu et à jamais. Exactement. Adieu et à jamais. Bon, bah maintenant on va pouvoir attaquer une autre partie de la zone du monde des dragons. À savoir ce qui se trouve derrière le portail fermé par la glace. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore été par là. Donc on va découvrir une nouvelle partie de la zone. Mais ce chargement, patientez s'il vous plaît, du pauvre là. Je veux dire, on a déjà Spyro qui est en chargement sur un écran animé et tout ça. Et puis écran noir. Chargement, patientez s'il vous plaît. Je dis, vous savez pas faire continuer le temps de chargement avec Spyro? Apparemment c'était trop demandé, mais bon. J'espère que 100% vaudra le coup de se casser le cul pour lui. Aïe. Déjà, honnêtement, alors évidemment, je sais pas s'il y a des trucs qui m'attendent plus loin. Mais je suis déjà déçue d'avoir que 4 souffles différents, à savoir le feu, la bulle, la glace et la foudre. J'aurais pensé qu'ils trouveraient d'autres trucs, mais bon après, voilà. Mais là j'avoue que niveau pouvoir, je suis un peu déçue, pour le coup. Qu'est-ce que tu veux encore ? Sparks ! Ta gueule ! Pardon. Oui, en plus, il est vrai que le bubble, honnêtement, il sert vraiment à rien à part capturer les libellules. Hein. D'ailleurs, en parlant de bubble... Vous avez attrapé Fluffy ! Fluffy ! Il a 3 têtes comme le Cerbère de Hagrid. Interruption inutile. Bonjour. Je travaillais à une nouvelle expérience fantastique. Mais j'ai soudain fantastique. Mon laboratoire. Si tu trouves quelques autres libellules, je parie que cela ferait remarcher cet engin. Aïe. Aïe, scientifique allemand ici, attention hein. 65, OK. Un scientifique fou allemand surtout, hein, parce qu'avec ce rire-là, on est forcément un scientifique allemand fou, hein. Oh putain, Q, arrête cette imitation parce que tu vas te faire ban de Twitch bientôt. Ah, bon bah, c'est pas moi qui aurais fait la blague. Vous avez attrapé Massa. Massa ! Alors moi je pensais à Masashi, une vétubeuse que je suis beaucoup. Quoi ? Encore ? Caméraman ! Mais je sais ! Tu me le dis à chaque fois ! Bon.
que je trouve. Ta gueule. Sérieux. C'est le tunnel de l'amour, ça, ou quoi? Ah, je connais pas. Là, pour le coup, j'ai pas la ref, Nezouk. Bon. Défi de glace. Aïe. Je crois qu'on va trop loin là. Non ? Ah non, j'ai... Quoique non, à mon avis, non, ils sont plus loin parce que... Ah ouais, d'accord, oui, putain, ils sont vachement loin en fait, d'accord, ok. Ok. Je pensais pas qu'ils les mettraient si loin en fait, honnêtement, pour le coup. Donc... En fait, je me suis dit que ça allait rester dans la zone, en fait, pour le coup. Je pensais vraiment pas qu'il les mettrait si loin. Ah ! Monde de glace. Ok. Bon, après... La division des mondes, c'est quand même plic-plac-plouc, chacun dans son coin. Le monde des dragons en plein milieu, le monde des fermiers à côté, la plage là-bas, la glace en haut. C'est... Voilà. Nain. Ah oui, moi plus que le niveau des égouts, on a le combo gagnant. Voilà. Vous allez attraper Howie. Ok, bon bah on a à peine eu droit à l'animation aussi. En fait, ils ont fait de Spyro un Metroidvania en 3D. Manquerait juste les éléments de RPG, genre level, stat, équipement. Mais c'est tellement ça en fait. C'est tellement ça. Bon, alors attendez, je vais... Attendez, j'ai vu un voleur. Enfin, je l'ai entendu surtout. Nya, 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 nya. Oh, c'est un copain. Oh, c'est un gentil voleur. Tu as réussi. Waouh. Tu es même plus vif que moi. Il y a assez de magie pour faire s'envoler ce tapis. Monte à bord. Oh, j'aurais jamais cru qu'on aurait un voleur gentil, tiens. Un gentil voleur. Ok, donc déjà, on a débloqué un nouveau monde. Moi, je continue de monter. Parce que... On en est où, d'ailleurs, des stats du monde principal? Ah, il nous manque... Oh, attendez. Non, ça va. J'ai eu peur. Parce que j'ai encore appuyé sur rond. Mais comme je suis déjà dans le monde des dragons, il m'a pas re-tépé au début du monde des dragons. Il manquerait plus que ça, en fait. Nya. Oui, il m'en manque une seule libellule. Donc c'est la preuve qu'on a quasiment visité tout le monde des dragons. Et bah, le reste des joyaux, en fait. Hein. Le ballon! Et bah voilà la libellule. Vous avez attrapé Sandra. Sandra! En plus, dans l'Atlas, le monde suivant, techniquement... En fait, j'ai sauté un monde, c'est le monde des singes, justement. Donc, en fait, j'aurais dû faire ce monde-là avant de faire le monde du miel. Mais bon. Hop. Non, toujours pas. Qu'est-ce qui me manque comme joyau? Il me manque 6 joyaux. T'es sérieux? Bah oui, il est sérieux, mais... Il me manque 6 joyaux. Monsieur est sérieux, il me manque 6 joyaux.
Bon. Ah, c'est quoi? Donne-moi le cheat code, j'en ai rien à foutre. Donne-moi le cheat code pour détecter les joyaux. J'en ai rien à foutre. Et là, il a inventé ça alors qu'en fait, il n'y en a pas, juste pour me faire rager. Je suppose que, comme les autres, il faut mettre le jeu en pause, appuyer sur... Attends. Pause, LR, up. LR, up. Attends. Ah oui, non, mais LR, c'est... Attends. Je crois que LR... Attends, parce que pour le coup... attends. LR, up. Ah, attends, oui, attends, c'est peut-être ça, alors. L, R, up. Attends, je vais quand même vérifier c'est quoi mes commandes. Il y a eu la confirmation? Attends. Mais alors, c'est quoi le bouton pour la détection? Attends, je vais trouver. Enfin, je crois que je vais trouver. Bah, s'il y a un bouton pour la détection, je ne l'ai pas. Hein. Ou alors il ne me la donne pas. Hein. Et t'es sûr qu'il y a eu confirmation? Parce que j'ai rien vu, moi, personnellement. Bon. Ah! Attends. Bon, attends, je vais quand même vérifier mes touches, parce que pour le coup, attends, tac. Attends. Attends, je vérifie mes touches parce que j'ai toujours un truc où je suis pas sûre. Ok, donc ça c'est L et ça c'est R. Donc on est bien d'accord, ok. Ok. Donc tu dis Ah ok, d'accord. Bah, il m'indique rien du tout, hein. Ah! Enfin, bah non, c'est moi qui tourne en fait. Sparks, il indique rien du tout, hein.
Non, mais Sparks, il indique rien du tout. Que dalle. Ça marche pas. Bon. Ok, d'accord, donc déjà il y en a un là. En plus, j'avoue que maintenir trois touches. Pardon. Maintenir trois touches au lieu d'une pour que Sparks t'indique la direction, c'est quand même mal foutu hein, pour le coup. Attends, refais les touches, apparemment, en fait, contrairement aux autres, Sparks se tourne, mais reste derrière Spyro. Non! Non! Même pour les cheat codes, c'est de la merde. Même pour les cheat codes, c'est de la merde. Non, 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 c'est de la merde. Jusqu'au bout, c'est de la merde. Bon. Ah! Oh bah voilà! Trouvé! Donc pour l'instant, il y a un seul niveau où j'ai pas trouvé les joyaux manquants. C'est le truc de l'eau. Et avec la chance que j'ai, il va vraiment être buggé quelque part dans un mur. Bon, on va faire le premier qui était accessible, à savoir le monde du voleur. Et puis on ira voir le singe. Et puis on ira voir le scientifique. Non, bah ça marche pas. Ah oui, non. Je sais pas pourquoi j'ai envie de lui parler encore. C'est pas grave. S'il ne me manque vraiment que ce joyau-là... dans le monde de l'eau, bah on attendra la fin du jeu pour le trouver, hein. Tant pis, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ce jeu est mal fait, hein.
Je vous dis, même dans cette cheat code, il est pété.